C'est parti les gars pour une petite attaque. Donc première attaque de ce fameux deck. Enfin première, deuxième en vrai, mais bon, première attaque quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du petit dragon. Voilà, on va voir ce que ça donne. On va mettre du petit dragon et puis après on mettra la horde de gargouille. En espérant qu'il ait pas les flèches. Ah ouais, je vous le dis direct. Voilà, petit rototo. Bon alors, en espérant qu'il ait pas les flèches. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la Valkyrie. On va prendre le sort de... Voilà, bim, hop là, nickel, ok, 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 nickel, là on lui détruit sa tour ou pas? Tour de l'enfer détruite? Tour de l'enfer détruite? Yeah, ça fait plaisir les gars, yes, ça fait plaisir. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du petit géant, le géant on va attendre, tiens, on va le mettre là, hop là, boum, ça va nous permettre de défendre. Ouais, pas vraiment en fait, pas vraiment, pas vraiment. Bon, c'est pas très grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du gobelin, histoire de défendre un max. On va mettre je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas très grave. Du bébé dragon, voilà. on va mettre... Ah là là, j'ai pas ce qu'il faut. Ah là là, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas ce qu'il faut. Ouais, ouais, non. Non, oui, non. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Eh ben non, eh ben non. Ah là là, je te jure. Oh, ce mec, en plus, il a un petit exponeur de 1. Bon, il y a peut-être moyen de faire du cochon Valky. Valky cochon. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? Ouais, bon, c'est pas très grave. Y'a moyen qu'ils mettent quelque chose pour défendre? Ok, bon, je vais pas non plus me faire chier à faire quoi que ce soit pour bien jouer de quoi. C'est pas non plus extrême hein, ce que j'ai fait. Hein. On n'est pas dans la minute spéciale, malheureusement. On n'est pas dans la minute spéciale. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va... Ah là là, mais oh, ils mettent 2 ans, mes gobelins, à tuer des petits machins, quoi. C'est hallucinant, ça. Allez, tue-les. Putain. Et je te jure, hein. C'est vraiment un truc de malade ça. Oh là là, mais c'est impossible à gagner, c'est impossible. Ah mais comment on va faire les gars, comment on va faire? Vas-y, tire, tire, tire. Ouais, 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 ok, ouais. Ouais, non, oui, tire, tire. Bon. Comment on va faire, comment on va faire? Je sais, on va faire du Valky cochon, c'est moi qui te le dis. Valky cochon, forcément il va bien passer. Forcément, forcément. Bon allez hop, hop, on met du électrocution. Nickel. Nickel, on se prend une tour. On se prend une tour, les gars. Oh, on se prend une tour. Ok, ok, ok. On se prend une tour. Ce qu'on va faire, on va faire ça. On va faire ça derrière. Hop, nickel. Ouais ou pas? Ouais ou pas? Ouais, on va dire que ça va. On va dire que ça va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer du Valky cochon, j'ai envie de te dire. Valky cochon qui peut être vraiment pas mal. Ouais. Hop là, cochon, comme j'ai envie de dire. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Ça va ou pas là? Ouais là ça va là hein. Ouais ça va, j'ai envie de dire ça va. C'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Boum. Voilà, hop là. Nickel ou pas? Nickel. Bon, on va dire que ça va. On va dire que ça va, ça va, on va dire que ça va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la horde. On va mettre le bébé dragon. On va mettre la Valky. On va mettre la Valky, on va mettre la Valky. Ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre peut-être de l'électrocution. Non, on va mettre du cochon. On va mettre du cochon. On va mettre l'électrocution juste là. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Ah, est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va gagner? Je sais pas, je sais pas. Hein. Franchement, j'ai envie de te dire, je sais pas. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre de la horde. On va mettre de la Valky. On va mettre ça. On va mettre. Du cochon. Il y a moyen de faire quelque chose quand même. Il y a moyen de faire quelque chose. Bien joué, bien joué. Franchement, bon, j'étais pas trop dynamique, mais j'étais pas trop dynamique parce que franchement, c'est chaud là. Oh, j'ai envie de te dire, je pensais pas, déjà, je pensais pas lui casser une tour. Et je pensais pas aller si loin que ça. J'ai réussi à retourner la situation, quoi. C'est assez hallucinant. Oh ouais, eh, c'est chaud, hein. Franchement, j'étais concentré là comme jamais. Hein. Pou, pou, pou. C'est un deck assez bluffant, je trouve. C'est, on dirait pas, hein. On dirait pas qu'il a des capacités, mais finalement, il t'arrive à faire quelque chose, tu vois. C'est un peu comme, t'imagines, t'es à l'école, t'as rien appris du tout, et puis là, tu te rends compte que t'arrives à avoir des 10, des 12, tu vois. Tu vois le délire un peu? Et là, c'est exactement pareil. C'est... T'as pas appris à le connaître ou quoi que ce soit, tu trouves nul, tu trouves dur, on va dire. Tu te dis, ah, je vais jamais y arriver. Et pourtant,
il y a quelque chose à faire avec. Tu vois le truc? C'est assez hallucinant. Du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. Et c'est parti, les gars, on est avec Tipsy pour la deuxième attaque. Oui, donc du coup, hop, bonne chance. On va essayer de faire quelque chose de bien. On va mettre du bébé dragon et on va mettre du Valkyrie cochon. Ah, le Valkyrie cochon, là, me semble être une très bonne idée dès le début. Ok, d'accord. Direct, il envoie ça là-bas, pas de soucis. J'envoie du Valkyrie cochon, mon gars. Bon, la Valkyrie, j'aurais dû la garder pour défendre contre l'autre, là. Mais je me dis, bon, qui ne tente rien n'a rien. Ah ouais, mais bon, qu'est-ce que je te dis de plus, moi. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça. On va envoyer ça. Et normalement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ouais, nickel. Attendez. On va juste attendre deux secondes. Hop là. Eh non, ça là. Ok, même pas besoin de défendre. Même pas besoin. Nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Pouf. Hop là. Nickel. Voilà. Du coup, franchement là, du coup, on démarre bien là. Avec notre Valkyrie cochon, on a bien démarré. On va mettre quoi? On va mettre le géant sur le côté. On va attendre un petit peu. On met le géant. Allez, on met le géant. On est des fous. Mais le géant. Cette fois, on va garder le Valkyrie cochon. Enfin, on va le garder le Valkyrie. On va le garder le Valkyrie, la Valkyrie plutôt, pour défendre. Parce que sinon, ça va être impossible à défendre. Et puis, je pense qu'il va pas non plus se faire avoir 10 milliards d'années avec le Valkyrie cochon. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et là, je peux te le dire que là, il va se faire exploser. Mais genre bien comme il faut. Bon, le problème, c'est que là, il nous explose aussi. Et ça, ça pose extrêmement problème. Bon, j'ai envie de te dire que je sais pas quoi faire. Je vais faire patienter, il y a que ça à faire. Donc je sais pas pourquoi ils ont des tours de... pourquoi ils ont tous des tours de l'enfer comme ça. Pourtant elle est nulle hein. Enfin, elle est bien mais elle est dure à utiliser. Enfin, je sais pas, moi à chaque fois que j'utilise, j'arrive pas. Donc qu'est-ce que je te dis. Bon, en attendant, on envoie du cochon. Du dragon. On envoie du petit cochon du géant derrière parce qu'après on va envoyer des archers. Voilà, on va mettre de l'électrocution juste là-bas, histoire de se faire plaisir. Boum, nickel chrome. Voilà, on va mettre des archers, histoire de se faire aussi un petit peu plaisir quand même. Ouais, les archers qui passent bien ou pas? Les archers qui passent plutôt bien. En plus, il a pas de fléchette, ça fait plaisir ça. Les gens qui ont pas de fléchette, ça fait vraiment plaisir. Donc off, on va mettre la petite horde. On va mettre les petits gobelins, malheureusement qui vont se faire défoncer, c'est pas très grave. Ok, c'est bon. Eh ben nickel, les voilà, les gobelins qui résistent largement ce qu'il faut. Nickel, regardez-moi ça. Oh là 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 là. On va mettre notre petit géant juste là. On va faire du Valkyrie cochon à droite. Tu vas voir que ça va bien passer crème. Hop là, Valkyrie cochon, on va prendre notre électrocution. Il passe l'électrocution ou pas? Non. Bon, malheureusement non. Ce qu'on va faire, regardez. Ce que je vous disais avec... boum. Hop là, on arrête. Et là, il revient à zéro. Regardez le peu de vie qu'il lui enlève maintenant. T'as vu ça un peu? Et ouais, non mais bon, c'est l'intelligence. Ouais, donc ce qu'on va faire, on va mettre ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Oh, regardez-moi ça, on va gagner grâce à... Oh, c'est génial, mais c'est génial. Et comme quoi, hein, y a moyen... si le mec n'a pas de flèche, il y a moyen de faire quelque chose. Même avec une tour de l'enfer, finalement, ah, y a moyen de faire quelque chose. Avec le zap qui nous aide un peu. Après, est-ce qu'avec du canon, on pourrait faire quelque chose? Ouais, contre le canon, je pense que ça devrait le faire. Enfin, après, je sais pas. Ça dépend comment il utilise son deck, le mec. Ça dépend ce qu'il a comme troupe. Par exemple, du sorcier, ça pourrait... sorcier, ça pourrait nous faire mal. Ça pourrait nous faire mal, du sorcier. Mais ça va, jusqu'ici, on a une égalité. Une attaque qui s'est bien passée. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour une troisième attaque. Et puis, voilà. Donc, c'est parti. C'est parti, les gars, pour une troisième attaque avec... KZ 832 MCO. Voilà, c'est bon. Allez. Tiens, oh non mais c'est genre l'éternuement qui est là mais qui n'est pas là, tu vois. C'est genre un éternuement fantôme, tu vois. Du coup, c'est chiant parce que t'as la sensation mais il se passe rien. Tu vois, c'est assez frustrant. Ce qu'on va faire, électrocution ou pas? Bon, de toute façon mes trucs vont se faire dézingue, hein. Mes trucs vont se faire dézingue, c'est obligé. Bon, c'est pas très grave. On va mettre, hop, l'électrocution. Boum. Ok, nickel. Et regardez-moi ça. On va se faire plaisir dès le début. On va se faire regarder. En plus, il a un petit canon. Ça va nous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Bon, il s'est tellement fait défoncer dès le début que ça risque d'être plus dur. Voilà, il a plus l'avantage. Il a plus l'avantage. Donc ça risque d'être dur pour lui. Parce que là, je piétine son camp. Donc ça risque d'être très dur pour lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un Valkyrie cochon, mais à droite, histoire de lui montrer qui c'est le patron. Tu vois le délire un petit peu ou pas? Allez, c'est parti, on teste le Valkyrie cochon à droite. Allez hop, on met la petite Valkyrie. On met... Oh, en plus, il vient de mettre 7 d'élixir à gauche et tout. Dommage qu'on n'a pas le zap, là.
Dommage. Franchement, dommage, ça aurait pu être pas mal. Ah, du sorcier, du sorcier, du sorcier. Regardez-moi le Valky cochon qui fait plaisir. Oh là là, c'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment énorme, c'est un truc de fou. On va essayer de mettre le sort de zap. Ah non, bon, le sort de zap, on va le mettre plus vers là. Boum. Ouais, ça va pas servir à grand-chose. Hein. Ça va pas servir à grand-chose. Est-ce qu'on va perdre, est-ce qu'on va gagner cette attaque? Je pense que là, il va bien me défoncer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre fameux bébé dragon. On va mettre... allez, allez, il n'y a pas la minute spéciale, s'il vous plaît. Hein. Allez, allez, meurs, meurs, meurs. Ah, il m'a pris les deux tours en deux secondes chrono, le... hein. Enfoiré, là. Bon, c'est pas grave. On va faire du Valky cochon, c'est moi qui vous le dis. Ah oui, malheureusement, malheureusement. Et j'ai pas ce que je veux, j'ai pas ce que je veux. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre quand même notre Valky cochon. Juste là, hop, Valky cochon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre sort de zap, histoire de bien... voilà, quoi. Hop, sort de zap, tranquillou, bim, hop là, est-ce que la Valkyrie elle fait le taf? Non, de que dalle! De que dalle les gars, de que dalle! Bon, c'est pas très grave, on va y arriver, on va y arriver. Bon, alors cette fois-ci je vais pas me faire avoir, hein. Si vraiment il a cru que j'allais me faire avoir cette fois-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre horde de gargouilles. Et normalement il y a moyen de faire quelque chose. Y a moyen... Ok d'accord, tu veux jouer à ça? Pas de soucis, on va jouer à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le cochon. On va mettre le petit sort de zap. Allez, meurs! Oh, mais c'est quoi ce machin qui meurt pas, là? Ah, je te jure, hein. Putain! Non, 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 non! On va faire une défaite, les gars! On va faire une défaite! On va faire une défaite! Pourquoi? J'aime pas les défaites! J'aime pas les défaites! Non, j'aime pas les défaites! Non, j'aime pas les défaites! Et n'empêche, il m'a bien écrasé, hein. Ah, pourtant, j'avais bien commencé! J'avais bien commencé, j'avais bien commencé! Bon, bon, bah, bam, 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 bam! J'avais super bien commencé, mais malheureusement... Il a vu que mon deck était pas génial et qu'il pouvait me contrer facilement. Bon, si on récapitule, il a du PK qui nous a bien cassé les pieds. Hein, c'est à cause de le PK qu'on a perdu d'ailleurs. Hein. C'est à cause de ça, sinon on allait gagner. Hein. Il a du PK qui nous a bien cassé les pieds, mais ça, à la limite, normalement, on devait bien défendre contre le PK. Mais bon, le problème, c'est qu'on voulait absolument attaquer. Du coup, on n'a pas pu défendre. Le problème, c'est qu'il y avait du cochon. Ça, ça nous aide pas. PK cochon en même temps, bah qu'est-ce que tu défends? Bah tu défends le PK, hein. Et malheureusement, sorcier avec le cochon, bah bim, ça, ça. Voilà quoi, c'est mortel. Bon, du coup, bah on n'a pas pu bien défendre. Après, on avait du canon, ça aide pas. Le sorcier, bah ça aide pas non plus, hein. Dégâts de zone qui est extrêmement puissant d'ailleurs. La sorcière, mais qui aide pas non plus, quoi. Avec le sorcier, bah laisse tomber, on avait tout ce qui n'aidait pas. Bon, certes, on aurait pu avoir les flèches, ça aurait été encore pire. Heureusement, on a plus les flèches contre nous. Mais on aurait pu. Donc malheureusement, bah une petite défaite, ça arrive, voilà, petite défaite contre monsieur qui est niveau 8. Bon bah voilà, hein, bon ce deck est pas, ça vaut pas ce deck, ça vaut pas ce deck. Mais, ça veut pas dire qu'il est nul, ça veut pas dire qu'il est pas mal, il est pas mal, mais bon ça reste un deck quand même assez compliqué à gérer quoi. Ça reste un deck qui est plutôt compliqué et qui, c'est pas une facilité pure tu vois, c'est pas une facilité super facile tu vois. C'est vrai que c'est assez compliqué à utiliser ce deck. Mais dans l'ensemble, on va dire qu'il passe bien, tu vois. Moi, je l'aime bien. Personnellement, je l'aime bien. Ça fait un peu de renouveau par rapport à l'autre deck là, que je vous ai montré, que j'utilise en ce moment. Ça fait un peu de renouveau. Je sais pas si je vais l'utiliser. Mais il y a peut-être moyen. Parce que c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Il y a moyen de faire quelque chose avec. Surtout grâce au sort de zap, hein. Franchement, grâce au sort de zap, il a moyen de faire quelque chose avec. Donc du coup, moi, je pense que je vais essayer sur ce. On s'est fait trois petites attaques assez sympathiques. Et donc du coup, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.